Hey, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est l'annonce du week-end et aussi l'heure de l'arrivée et de notre petit rendez-vous avec Xur. Donc on va voir tout de suite ce qu'il a à nous proposer. Alors je préfère vous prévenir, les looks ne sont pas extraordinaires. Donc dans un premier temps, pour l'hésitant, le casque de la lumière intérieure, 280 points de défense. Et si vous portez ce casque, vous obtenez les effets mort venus d'en haut et ténacité donc sur votre doctrine, ce qui va vous permettre de le porter en ayant l'autre doctrine d'activer par exemple. De même, vous obtenez de l'énergie de super supplémentaire en cas de frag à la grenade et de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez un orbe. Pour les chasseurs, le rôdeur nocturne, 280 points de défense également, qui vous permet d'avoir un seul coup de pistolet d'or mais 6 fois plus puissant. Et ceci en conférant l'effet trou de la serrure. Et également l'énergie du super supplémentaire en cas de frag à la grenade et vous récupérez de la vie quand vous ramassez un orbe. Donc un casque très intéressant à posséder absolument si vous ne l'avez pas encore en version année 2. Et pour les arcanistes, le gant, les machines impossibles, 280 défense également, qui vous confère l'effet point d'éclair de la nouvelle doctrine et qui vous permet également d'augmenter votre vitesse d'attaque de mêlée ou de rechargement des fusils éclaireurs. Côté engramme exotique, on a un engramme de casque et un engramme d'arme classique principale. On a également l'hélice émeraude, donc les améliorations pour le passereau, les munitions violettes, les trois deniers que je vous recommande fortement et les épines de verre que je n'utilise pas énormément pour ma part, ainsi que la possibilité toujours d'obtenir des particules de lumière en échange de pièces étranges. Donc je vous avais prévenu, les loots cette semaine ne sont pas très très intéressants, hormis peut-être le casque pour les chasseurs. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter si vous avez aimé. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end, profitez bien, amusez-vous et prenez soin de vous. Ciao tout le monde !